sociaux sont des caisses de résonance, hein, donc ça fait résonner ce que les gens vivent et ce dont les gens parlent. Donc ça, et la montée de l'usage des réseaux sociaux fait que la présence des réseaux sociaux et le rôle des réseaux sociaux a été beaucoup plus important dans la campagne 2017 que dans la campagne 2012. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une professionnalisation de l'usage des réseaux sociaux, les équipes de campagne s'en sont emparées. On peut être aussi, s'en sont emparés presque dans un mode de propagande, hein, pour répéter les messages, ce qui finalement n'a pas forcément servi aussi bien que ça aurait pu le faire, parce que le propre des réseaux sociaux, c'est de la conversation, et quand on est dans le matraquage de discours, c'est plus tellement des conversations, hein, c'est de la propagande, donc c'est moins bien. Mais en tout cas, il y a eu une grande mobilisation, il y a eu beaucoup de conversations, beaucoup de volume. Maintenant, ça reste une petite partie de la population française, et c'est donc représentatif des gens qui sont très engagés sur les réseaux sociaux, mais c'est pas représentatif de l'ensemble de la population. Pour nous, le seul outil qui est capable d'évaluer et de représenter l'état d'une opinion politique à un moment T, c'est le sondage. Il n'y a pas d'autre solution. Et la clé de la pertinence et de la performance d'un sondage, c'est la représentativité. Donc ça va être la capacité et l'habileté de l'Institut à constituer un échantillon et après à le redresser pour être le plus représentatif possible de la population française. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser une matière qui n'est pas représentative pour cet usage-là. En revanche, on va aller beaucoup travailler dans l'analyse sémantique, hein, de ce qui se dit, pour avoir un éclairage complémentaire, différent, peut-être alternatif aussi, parce qu'il y a des voix qui s'expriment sur ces réseaux-là qu'on n'arrivera pas à recueillir dans un sondage. Et puis, ce qu'on dit souvent, c'est que le sondage, on pose des questions, et sur les réseaux sociaux, on a des réponses aux questions qu'on ne pose pas. Donc c'est tout l'avantage aussi de se servir de cette donnée, mais qui n'est pas, qui n'aura pas pour nous la même utilité et le même objectif en fait.